Ça va? Allez, je te laisse faire, hein. Ouais, c'est bon. Bon pour le service. Ouais. Ça me rassure un peu. Ça va mieux. Ouais. Oh bah c'est bon, c'est là du coup. Attention à toi. Je vais peut-être même te reculer un peu. Oh non, c'est bon. Ça va être bon. Donc au niveau exercice, un peu de 3-6, un peu de gestion de dérive. Un peu de gestion de dérive, 2-3 passages bas. Et on va ensuite attaquer une PTS. Donc PTS, c'est les deux mains tirées comme ça. On va faire de l'entraînement virage à plat. Hein? Okay. Donc te commande comme ça et tu vas me regarder moi. Tu vas tourner, voilà. Tu vas faire des boucles. Okay. Et tu vas simuler un atterrissage. Tu fais une pente de descente, tu remettras les gaz à 5 mètres sol, 10 mètres sol, et tu passeras devant. Ça va? Le bonhomme va bien? Ouais. Beaucoup moins d'appréhension qu'avant. Hein. Forcément. Hein. Il y a toujours de l'adrénaline, mais c'est de la bonne. Tout à fait. Tac, tac. Mais qu'est-ce que t'as bien fait de me faire prendre la 28? Oh là là. Quel bonheur. Tu mets des fois du temps à... Hein? Ça plombait un peu plus avec la 26. Hein. Ça plombait un peu plus la 26. Mais là, c'est le jour et la nuit. Hein. Tu le tends un tout petit peu, bien par là. Donc on est bon, toujours vérifier hein, qu'on est bon à ce niveau-là. Voilà, tu vois. Allez, toc. Et toc. Allez, moteur. T'avais poiré? Oui, oui, tout est prêt. Attends, mets-toi bien là. C'est parti. On y va. Recule-toi un petit peu, mets-toi là-bas, mets-toi là. Ça va pas être dans l'axe. Ouais, mais attends, c'est parce que j'ai un problème de calage de voile. Cherche ta voile, monte tes bras, voilà. Allez, gaz. Allez, t'as calé? Elle a un peu braqué, mais ça devrait le faire. Je sais pas si c'est pas le téton, oh, je pense pas, non. Allez, recule-toi,
Je sais pas s'il tournait en position haute. Allez, moteur. Attention, la masse d'air est tombée un peu là. Fais gaffe. Allez, monte tes bras. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait là? Arrête tout. Pense à quel est le moteur. Bah alors, Sylvain. On recommence? Ah oui. J'ai pas calé avec ce putain de péton. Mais non, mais arrête de foutre, arrête de speeder là-dessus, ça sert à rien. Moteur, recule-toi un peu. Moteur. Bon vol! Ah, c'est parce que je t'ai pas souhaité bon vol! Bon vol, Sylvain! Monte tes bras. Voilà, allez, désengage, gaz, allez, gaz. Allez, gaz. La prochaine fois, tu pourras tirer un tout petit peu sur les commandes à la fin de la course au bout de 15 mètres. Hein. Ça le fera mieux parce que là t'es passé à 30 cm au-dessus du sol au niveau du châssis, hein. Donc pour info, on débriefera tout à l'heure sur ce sujet. Allez mon grand, ça arrête pas, c'est l'usine, hein. C'est clair, ouais. Oh, bah oui, moi je... attends, bouge pas, je le fais, ça va plus vite comme ça, au moins je... voilà, tac la commande. Et tac. Voilà. Alors, essaie de te centrer sous ta voile parce que là. Ouais, je peux trop. Vas-y, décale-toi. Tu te prépares, Elder? Tu étales la voile? La machine, tu l'amènes? Elle est sortie du véhicule. Tu fais gaffe à pas taper dans les véhicules quand tu te l'amènes. Bon, mon petit Sylvain, bah écoute, c'est bien. Tu te fais plaisir pendant 5 minutes. Allez, après on fera les exos. À toi, vas-y. Cherche ta voile par le dessus. Monte tes bras. Non, tu lâches trop tôt, mais c'est pas grave, voilà. Alors, on est d'accord? La voile, tu la cherches pas par le côté, tu la cherches par-dessus. Et tu montes tes bras. Et lâche les avant que quand ta voile est bien finie. Là, elle était pas finie, elle était qu'à... Hein, vas-y, tu reprends d'ici. Voilà. J'avais mis le frein à gauche, du coup j'étais mal à l'aise. J'ai mis de... D'accord. Bon. Allez, écoute. Allez, cherche ta voile, monte tes bras, tu les montes pas du tout, tu laisses tes bras là, regarde. Regarde, tu laisses tes bras là, alors qu'il faut les monter là, regarde. Tu vois, quand ils sont là, tes bras, ils sont là. Laisse filer. Entre ton pouce, tu laisses filer. Ah, laisse filer, okay. Et monte. Du coup, je la coince au niveau voilà, du... Tu montes les bras, tu vois, là, t'as... D'accord. Ok. Ça, je vais le refaire du... Voilà. Allez. Tu es mort, tu te la réinstalles. Je vais prendre la boxer. La radio pour Elder. Il est où mon Sylvain? Ah bah c'est pas lui qui fait des conneries comme ça, j'espère. Non, ça c'est...
c'est Marc. Celui-là qui, pour reconnaître Sylvain, c'est celui-là qui fait pas les fermetures. Bon Sylvain, tu vas me faire dans l'axe de la piste. Dans l'axe de la piste, tu vas me faire des 3-6 complets à droite et à gauche en maintenant le palier. Et fais attention à Marc qui est en dessous de toi. Bon, la Mazda est un petit peu spéciale au décollage, pas très porteuse. Ouais, c'est pas très porteur. Hein. C'est un peu spécial, mais bon. Ah oui, là, il n'y a plus rien, en effet. Pour voir. Comment? C'est bien. Ah, d'accord. Là, tu vois, cette machine, tu peux la toucher. Elle est pas pleine d'huile. Mais c'est vrai. Tu fais pas une pré-vol avec obligation de nettoyer les mains. Bon, c'est qui cause là? C'est qui cause? Ah d'accord, il est câblé chez nous cet enfoiré. Je pensais que t'étais sur 145 quelque chose machin. Bon Sylvain, il paraît que t'es un peu trop haut. Sylvain, tu me fais un contrôle de la hauteur. Hein Sylvain, tu contrôles la hauteur. Tu regardes si l'horizon il est au-dessus du haut du pylône ou s'il est en dessous. Voilà, visiblement t'es au-dessus. Merci Marco. Il se fout de moi. Hein. Il se fout de moi l'enfoiré. Il se fout de l'instructeur. C'est incroyable ça. Ben il rigole mais je sais pas s'il rigole jaune ou. Il rigole. Allez Rich, je te regarde. Tu montes bien les bras, tu cherches ta voile, t'attends qu'elle arrive. Et tu désengages pas les avant tant qu'elle n'est pas bien arrivée complètement. Et tu passes pas les mains en avant. Allez, vas-y, 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 allez, monte les bras. Passez pas devant, voilà, bravo. Voilà, et t'avances. Voilà, ça marche un peu mieux, mon ami. T'as remarqué que ça marchait un peu mieux? Voilà, on dit merci qui? Merci Patrick. Bon, t'as remarqué que quand tu mettais les bras hauts, quand tu montes les bras, la voile vient. Elle ne monte que parce qu'il y a un peu d'air qui rentre dedans et parce que toi, tu fais le geste de redresser ton corps et de monter les bras. Donc pour ça, bah, tu la cherches des yeux et tu la cherches pas par le côté, tu la cherches par le devant. Voilà. Voilà, et tu la cherches par devant, tu gardes les avant, tu ne passes surtout pas les bras devant parce que tu étais limite à passer les bras devant. Voilà, mais bon, c'est peut-être parce que tu voulais tracter aussi, hein. Tu tractais un peu sur tes jambes. Mais t'as vu, ça marche, hein. Ouais. Mais il faut monter les bras. Faut monter les bras, donc faut vraiment que t'en bouffes là pour que tu comprennes ça, parce que sinon... Bon, mon petit Sylvain, allez, 1, 3, 6 complet. Fais attention aux oseaux là, Marco là. Ouais, c'est bon, il descend. Ouais, c'est pas évident de bosser aujourd'hui. Hein. Bon, tu vas me faire une approche traversée du terrain. Vent de face. Bon Marco, je vais faire passer en basse altitude Sylvain. En basse altitude, basse hauteur. Allez Sylvain, tu commences à réduire les gaz. Tu réduis les gaz, voilà, tu vas tout droit. Tiens, je te donne ton casque. Mais c'est ma radio, c'est la tienne, tiens. Ça c'est la tienne, toute la câble. Voilà, tu tournes par la gauche. Marco, tu fais gaffe à Sylvain, je le fais passer en basse hauteur. Marco, si tu m'as entendu, croise les jambes. Ok, merci.
Allez, tu tournes à gauche, regarde, je suis là, tu réduis les gaz, là, tu descends. Allez, tu descends. Alors, tu vas me faire des virages. Tiens, fais-moi les virages à plat, là. Tu descends les deux commandes, et voilà. Et tu me regardes, et tu fais des virages à plat. Donc, tu fais des belles boucles, hein, quand même. Ouais, il y avait un avion, excuse-moi. Voilà, une belle boucle, voilà, sur la gauche, virage à plat, voilà. Mais plus longues les boucles, hein, plus longues les boucles. Allez, boucle à droite, allez, plus longue. Tu vas tout droit. Voilà, allez, boucle à gauche, tu descends les deux mains, boucle à gauche, voilà. Ok, boucle à gauche, tu sors comme si tu étais à l'atterrissage. Voilà, tu me sors, et maintenant, tu descends gentiment, tu viens sur moi. Les deux mains descendues, tu stabilises ta voile, tu me descends les mains, s'il te plaît. Descends un peu les mains. Allez, tire un peu, voilà. Allez, maintenant, tu remets les gaz. Allez, gaz, mon grand. Et tu recommences. Elle est belle cette cible. Ah, t'as refait la cible? Ah, c'est bien. Ouais, on s'amuse un peu. Et toi, tu shootes où? T'arrives? Je suis arrivé hier matin, il n'y avait personne. J'ai rien sac plat exprès dans ma bagnole. Et toi, moteur coupé 100 mètres? Tu te mets moteur coupé 100 mètres et t'essayes de. Ouais. C'est bien ça? Ouais. Ça, c'est bien. Bah, on coupe au maximum. Ouais, c'est bien. Non, mais ça, c'est bien. C'est super ça comme entraînement. C'est génial ça. Ouais, j'ai fait réviser ma Nucleon, putain, j'avais plus l'habitude de cette merde. Le Nucleon ? Ah oui, oui. Je me souvenais plus qu'il fallait courir. Ah bah c'est une réflexe, hein. Aujourd'hui, l'aérologie, les coups, les... Ouais, ça tombe, ça. Ah, Nucleon, c'est pas une boxer, hein, c'est pas une ITV, hein, c'est clair. Je remonte, même pour rapport à la Viper, c'est rien à voir, hein. Faut allonger plus, hein. Faut vachement allonger plus. La Viper, ce qu'il y a, c'est qu'elle... Monte pas trop haut, Sylvain, monte pas trop haut, reste, voilà, tu montes pas trop haut, va tout droit. On va refaire le même exercice, voilà, tu restes à cette hauteur, tu t'écartes du terrain et tu me fais l'entraînement virage à plat. Voilà, tu montes pas, parce que là tu montes toujours un peu là. Voilà. Allez, tu vas tout droit, dès que je te dis de tourner. Voilà, c'est bien, palier. Allez, maintenant tu tournes à droite. Allez, tu viens à droite, tu remontes la piste, parallèle à la piste. Voilà. Moi je suis sur la cible là, avec Salvato. Donc, tu viens dans l'axe, à mon axe, à moi. Voilà. Tu regardes la direction du vent aussi, parce que là, je vais te les faire faire. Alors là, tu vas tourner à droite maintenant. Tourne à droite. Voilà. Tu réduis tes gaz. Tu te mets dans l'axe de la manche à air. Tu descends tes deux commandes. Tu me les descends de 5 à 10 cm. Allez, 10 cm. Tu me regardes. Tu fais une belle boucle. Tu pars à gauche et tu fais une belle boucle à plat. Allez, vas-y, tout droit. Tout droit. Tout ça perpendiculaire à l'axe du vent. Doucement. À plat, j'ai dit. Voilà. Voilà. Tu me regardes toujours. Allez, belle boucle. Tu vas plus loin. Tu réduis les gaz. Voilà. Maintenant, tu vas sur la droite. Une boucle. Tu tournes. Une boucle. Voilà. Tu réduis les gaz. Pas complètement, pour pas que ça cale. Voilà. Tu me regardes toujours. Perpendiculaire à l'axe du vent. Allez, tourne. Voilà. 10 cm les commandes. Hein. Allez, hop, tu tournes. Regarde l'axe de la manche à air, s'il a changé. Non, il a changé un peu. Reste perpendiculaire, donc à gauche, perpendiculaire à la manche. Toujours perpendiculaire à la manche. Doucement. Voilà. Tu vas tout droit. Tu me stabilises cette voile. Voilà, tout droit. Allez, boucle. Et du coup, tu vois, tu dérives. Donc du coup, c'est... Tu vas revenir vers moi. Allez, maintenant, tu me fais une pente de descente. Gentiment, tu descends à 5 mètres sol. Et tu me traverses le terrain dans l'axe de la manche à air. Donc je te laisse faire ton approche au moteur. Tu te mets dans l'axe de la manche à air et tu descends à 5 mètres sol. Allez, 10 mètres sol. Non, mais je l'ai fait réviser. Du coup, les commandes sont trop longues. Quoi. Là, pour... Ah oui pour jeter là. Ah bah oui, faut faire gaffe. Allez, tu te mets à 10 mètres sol. Sébastien ! Allez, voilà, t'essayes de garder le palier, tu tires sur les deux commandes et tu jauges avec les gaz. Voilà, tu gardes le palier. Et tu fais une belle ligne droite. Voilà. Allez. Voilà. Allez, le plus loin possible. Allez. Vas-y, continue. Voilà, c'est bien. Allez. C'est bon. Allez, tu peux remonter, on refait l'exercice. Et
décale un peu les accroches, les tours par rapport à lui. C'est fait exprès. Mais là, il va se casser la gueule en non, 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 mais opposé, je m'en fous qu'il se foute sur le cul. Par contre, au déco, ça l'aide pas mal parce que... Ah oui, ça le fait. Ah ouais. Je fais toujours ça sur les premiers vols. Là. Il en est à son, je pense, c'est un sixième vol. On pourrait en effet le décaler, ouais. On pourrait peut-être le remettre. Mais il n'a pas beaucoup de puissance moteur, il est sur une 115 là, il fait 93 kg. Ah ouais. Donc c'est un petit peu jeune quand même. Non, sinon en vol, regarde, c'est pas mal en vol. Ouais, parce que là il est en train de mettre du gaz, mais quand il est au ralenti, ça se voit qu'il ouais, penche. Ouais. Je préfère curieux que j'en ai un petit peu plus que pas assez. Ouais, parce ouais, que ça aide. Pour latéraux, quand ils ont pas l'habitude, ils se cassent la gueule. Ouais, non, là il s'est jamais cassé la gueule, mais ouais, ouais, mais sinon je préfère parce que putain, ça les prend plus mieux en déco. Hein. Ça sauve, hein, des fois. C'était bon. Bah, il marche bien ce moteur. Ah ouais. Il marche bien ce moteur. Bonjour. Hein? J'entends rien. T'es pas à la radio? Il marche bien, le moteur. Ouais, il marche bien le moteur. T'as pris ta valise? Allons, laisse tranquille. Faut pas il au décollage, faut pas l'emmerder. Surtout qu'il psychote des fois alors. Déjà, il croyait que tout le monde était inversé. Ah bon? Oh, non. Bah de toute façon, on psychote toujours un petit peu, vaut mieux un petit peu de stress. Non, y a pas grand chose. Et puis fais gaffe, y'a le fossé. Voilà, descends un peu. Pas trop non plus. Fais gaffe, ça va descendre vite. Y'a pas trop de vent. Voilà. Regarde loin, fais-toi dans les pieds. Voilà. Allez, c'est bon, tu peux remettre les gaz. Allez, c'est ça le dimanche après-midi, hein. Après la grosse bouffe du... Il n'y a plus d'air, ouais. Mais là, il y en a moins. C'est vrai que c'est dégueulasse, là, ces crado. Le dernier vol que j'ai voulu faire, on a voulu faire une balade au-dessus, enfin, à côté de la mer, le long de la mer, ça. Donc on a mis bien le plein, là. Ah oui, d'accord. Ouais, t'en as un petit peu trop, mais bon, ça va. Bon. Bon, je vais te faire poser côté parking, là où il n'y a pas de machine. Attention, il y a des biplans en dessous de toi. Oh la vache! Ça va, Eric? T'en as réussi un quand même? Hein? Ça va les bras? T'arrives à bien les monter? Tu fais gaffe aux biplans, là, il y a des biplans en basse altitude, mais enfin bon, ça devrait le faire. Voilà, moi je suis là, je suis côté cible, normalement ça devrait le faire, on a de la largeur là, entre le parking et la cible. Regarde bien la manche à air, parce qu'elle arrête pas de tourner, mais a priori, c'est comme au déco, hein. Hop. Voilà mon grand. Allez, tu tournes à gauche, à droite plutôt. Voilà, je suis là, coucou. Voilà, décale-toi là. Allez, t'avances encore un peu. Ouais. Regarde la manche arrière, t'as vu la gueule? Allez, tu coupes. Allez, un petit virage gentil sur la droite. À plat les virages. Hein. Doucement sur les commandes. Après, tu ne fais pas des petits virages pour... Là, tu vas bouffer le terrain. Eh, vers moi, mon grand. Ouais, ça va le faire. Fais gaffe à la voile à Marco. Et là, tu vas bouffer le terrain. Non, c'est bon. Allez, là. Bah alors, mon grand. Il a voulu faire la cible. Ça gigote, ça bouge, ouais. C'est vraiment qu'il a grand, hein. Bah oui, je sais bien. C'est vraiment qu'il a grand, là. Ça bouge un peu. Pourquoi ça bouge en haut et pas au sol? Parce que tu prends des nuages et j'ai plus l'impression que tu prends des nuages, ça fout le bordel. Fais gaffe, t'as fait un tour autour de tes pieds. Ouais, c'est un coup de se faire un croche-patte. Tu veux que je t'enlève la voile? Voilà, ouais. C'est le bordel. Oh, tu sens l'huile, mon gars, tu sens l'huile. J'adore l'athéro, j'adore.
franchement j'adore. Ça y est, je pense que j'ai bien assimilé la notion de... Par contre, au déco, c'était limite. Ah ouais, hein. Ouais, je l'ai bien senti. Ouais. Ouais, et puis, les deux, trois coups avant, bon, pas mal fatigué, stressé un peu. Normal, hein. C'était limite, donc ce que tu aurais pu faire... Alors oui, il fallait se tirer un peu sur les voilà, freins. Voilà, quand tu as bien couru, comme ça, bien couru au moins 20 mètres, tu amènes les freins là, un petit peu. Ah, un petit peu, hein, tu les amènes là, tu vas voir, ça va décoller, boum, ça va favoriser le déco. Parce que là, en effet, tu t'es assis, la machine est montée, elle est redescendue, et tu es redescendu à 30 cm sol. Et un de ces quatre, ça va peut-être faire touchette châssis par terre, et là, ça peut faire des dégâts. Bah oui, ça peut faire des dégâts. Bah de rien. Donc, le gros du débriefing, c'est au déco, quand t'as bien couru, hein, pas tout de suite, hein. T'as gonflé la voile, tu mets les watts, t'allonges, tu sens que ça veut pas décoller. J'avais une seconde ou deux, j'aurais dû mettre déjà. Voilà. Ouais. Mais, tu tires un peu les freins. Je vais pas le louper. Voilà. Mais faut prendre de la vitesse, hein. Si t'as pas la vitesse et tu tires sur les freins, tu vas freiner ta voile. Parce que là, tu vas lui donner un peu d'incidence et... Hein. Voilà. Ok. Donc c'est bon. Mais il pousse. Hein. Il pousse, mais t'as un beau bébé aussi, toi. Hein. Donc il faut quelque chose qui pousse, quoi. Non, mais le compromis avec la 28, là, il y a les bétons aussi, hein. Ouais. Et là, il a son moteur, c'est bon, là. Ouais, ouais. Belle course d'élan. Bon, bah, ouais. Je vais ramener ça là-bas. Ah, la vache, c'est bon, hein.